Aujourd'hui, la galerie commerciale du Carré Louvain n'est pas très attractive. Il manque des commerces susceptibles de faire venir davantage de clients, notamment un supermarché. L'ouverture prochaine d'un Leclerc, en lieu et place de l'ancien Simply Market, devrait y remédier. C'est une satisfaction pour SEBL Grand Est qui s'occupe désormais du devenir de la galerie. En plus de chercher des commerçants pour occuper les cellules vides, la société a l'intention de mener différents travaux de revitalisation. Travailler donc sur les deux entrées du Carré Louvain pour lui permettre une intégration et une visibilité depuis les deux rues, et notamment la rue piétonne. On envisage de faire déborder la galerie sur la rue. On va travailler sur la signalétique, à la fois à l'extérieur comme à l'intérieur de la galerie. On envisage des travaux à l'intérieur de la galerie qui porteront sur la rénovation des sanitaires, hein, qui sont vraiment vétustes aujourd'hui. Le traitement des plafonds pour les rendre vraiment plus lumineux et apporter un grand confort visuel. Du mobilier urbain pour créer une ambiance, créer un lieu de vie, de flânerie. Entre 300 et 400 000 euros seront investis pour la réalisation de ces travaux. Une consultation est en train d'être lancée avec un architecte pour travailler sur un concept qui sera validé par la municipalité. On espère vraiment avant la fin de l'année, dans tous les cas, d'avoir finalisé l'ensemble des travaux. Pour créer une ambiance agréable, SEBL Grand Est va aussi mettre en place une stratégie de communication et d'animation. Une association des commerçants de la galerie sera créée. Il y aura également un site internet de réaliser, la mise en place d'outils de promotion, comme des cartes de fidélité, ainsi que la tenue d'événements. Le tout pour faire naître une synergie positive, favorable au commerce et propice aux achats.